Bienvenue dans cette place des grands hommes, la seule émission qui vous donne l'autorisation de réfléchir à haute voix. Et oui, place des grands hommes, cette émission qui accueille que de grands esprits, qui leur donne un espace pour pouvoir parler de ce qu'ils pensent, pouvoir nous dire un peu, nous révéler le fond de leur pensée. C'est ça, place des grands hommes. Mais place des grands hommes de ce soir, nous recevons pour vous un grand esprit, oui, un grand homme, notre grand homme de ce soir, Monsieur Patrick Louyindoula, que nous accueillons sur ce plateau et nous disons bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kanté. Comment allez-vous, Monsieur? Très, très bien, merci. Si vous étiez donné de vous voir dans une glace, miroir, que verriez-vous? Qui est Patrick Louyindoula? Un autre Lumumba. Un autre Lumumba? Oui. Comment ça? Oui, il y a une autre personne. Un autre jeune, on va le dire comme ça, qui voudrait que les choses changent radicalement. Radicalement. Oui. Dans ce pays. Exactement. Je rappelle que vous êtes professeur d'université. Absolument. À l'université de Kinshasa, faculté de médecine. Tout à fait. En tout cas, l'université de Kinshasa. Oui. Une très grande institution. Oui. Historique. Oui. Qui a produit des. Tout à fait. Mais qui ressemble aujourd'hui à un cheval blanc. Un cheval blanc. Oui. L'université, ce sont les produits de cette université-là qui ont détruit ces pays. C'est ce que les gens disent. Peut-être oui, peut-être non. Mais c'est surtout l'État qui s'est désengagé de l'université. Peut-être oui, comment? Oui, peut-être oui, parce qu'il y a des professeurs d'université qui sont tombés dans les pièges tendus par les politiciens. Mm-hmm. Des pièges de contribuer à la destruction du pays. Certains professeurs d'université. Ils ont donc terni l'image de l'université. Mais non, parce que c'est l'État qui s'est désengagé de l'université. Aujourd'hui, l'État ne fait aucun effort pour garantir à cette jeunesse une éducation de qualité. Et dans cette quête de non-effort, c'est aussi se désengager de l'université. Les professeurs sont très mal payés. C'est des clochards, les professeurs aujourd'hui, d'université. Très mal payés. Mais qui vendent les syllabus? Non, mais les syllabus, c'est un outil de travail. D'ailleurs, quand, vous savez, quand vous avez 1000 étudiants, ils vendent votre syllabus à 5 dollars. Pas du tout. C'est pas tout le monde qui vend les syllabus pour commencer. Et puis, c'est plus autorisé de vendre les syllabus, vous le savez. Donc, les professeurs n'ont pas les outils de travail. Moi, j'ai vu à peine de finir ma thèse de doctorat, ça fait une année. J'ai un bureau qui n'a même pas de table et des chaises. C'est le bureau que l'État congolais m'offre. Avec un salaire qui est encore à 320 dollars par mois. Professeur d'université avec un diplôme canadien. Vous voyez comment l'État crée des conditions pour qu'il y ait fuite des cerveaux. Mais bisous de Rukimate, nous allons les affronter. Bisous de Rukimate, comme il l'a dit, bisous de déroger à la règle de cette émission. Non, 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 non. Alors, la règle est que M. Patrick Louyindoula, vous devez choisir. Vous aurez droit à trois choix. Vous allez faire le choix trois fois. Vous allez nous choisir la lettre là. Et c'est cette lettre là qui nous aidera à débattre, à parler, à converser, à échanger. Alors, je vous invite à prendre votre première lettre. Patrick Louyindoula, c'est à vous de débattre. Patrick Louyindoula, il est professeur à l'université de Kinshasa, faculté de médecine. C'est notre grand homme de ce soir, cher ami et téléspectateur. Il va nous déballer cette lettre. On va essayer de connaître ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. C'est quelle lettre? La lettre P. La lettre P. La lettre P comme Patrick. Pays. Comme pays. Je vous ai vu avec... vous portez les idées, c'est floqué et idées. Oui. Vous êtes de l'ECID, au cadre de l'ECID. Et membre d'honneur. Et membre d'honneur de l'ECID. Oui. Vous croyez à l'organisation des élections en vue d'un retour en décembre? Oui, les élections font une exigence constitutionnelle. Nous devons y croire. Maintenant, la question que vous devez nous poser, c'est que croyez-vous aux bonnes élections, aux élections crédibles et transparentes? Ça dépend des animateurs des institutions. Comment ça? Ça dépend de la bonne foi, je dirais, de ceux qui ont triché hier. De ceux qui ont triché hier. Exactement. La bonne foi. Oui. Mais on sait partout, nous sommes en Afrique, les élections sont toujours contestées. Oui, toujours contestées, souvent contestées, je ne dirais pas bêtement, mais nous nous mettons dans les conditions qu'il y ait des contestateurs. Donc, nous faisons très mal les choses. Hein. Je ne dirais pas ça à cause de notre peau noire, parce qu'il y a des Africains qui se comportent très bien. Dans la majorité des cas,
les Africains n'aiment pas les Africains. Davantage les Congolais n'aiment pas les Congolais. Donc, comment imaginez-vous que vous allez organiser des élections et vous arranger déjà à l'avance pour que les résultats proclament vainqueur? Vous prenez le contrôle de toutes les institutions qui gravitent autour. La CENI, la Cour constitutionnelle, la Banque centrale, l'intérieur, tout. C'est sous votre contrôle. Et parfois, plus grave encore, ce sont les personnes des mêmes tribus. Ça, c'est encore très grave, ça. Mais le pays, bon, la méritocratie, ça ne concerne pas les tribus. Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous sommes un pays qui a une multitude de tribus, plusieurs peuples, plus de 450 ethnies. Alors, on ne peut pas parler de tribalisme chez nous. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas vous parler de tribalisme, c'est moi. Je suis une Congo, ma femme est Mouba, Bilonda, ma mère est Mswahili, ma belle-mère est Mtetela. Donc, si quelqu'un, s'il existe une personne qui en lui seul est le symbole de l'unité nationale, c'est Patrick Louyédou. Alors, mais quand je vous dis, quand je vous dis que il y a le tribalisme dans nos institutions, c'est parce que les faits sont là. Les faits sont là. Allez-y, vous êtes journaliste, faites vos investigations. Vous allez voir que les faits sont là. Oui, vous parlez de la méritocratie, mais il faut un critère pour la méritocratie. C'est pas parce qu'on a choisi quelqu'un qu'il est méritant. Et c'est lui qui fait le choix. Si lui-même n'a pas de critères de mérite. Mais les élections, on est à DC. Oui. Même si on appelait le Christ, Jésus lui-même, pour présider la CENI, il y aura toujours des contestations. Je suis d'accord avec vous. Mais quand nous faisons pire que Kabila, c'est que nous sommes piètres. Kabila, c'est vraiment le niveau le plus bas, quoi. Oui, d'après moi, c'était le niveau le plus bas. Mais maintenant, je pense qu'il y a plus bas que Kabila. Parce qu'à l'époque de Kabila, il y avait un audit externe fiable du fichier électoral. À l'époque de Kabila, on avait affiché les noms des électeurs. Mais aujourd'hui, on ne les a même pas. Regardez vos cartes d'électeurs. Je suis sûr que votre photo n'est même plus. Donc, il n'y a plus bas que Kabila. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait des nouveaux Lumumba. Parce qu'il faut projeter l'avenir avec cette jeunesse. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Mais il y a, vous préparez déjà la contestation, ici, vous parlez de ça. Parce que quand l'UDPS ou les partis qui sont au pouvoir préparent les élections, vous préparez la contestation. Je n'ai pas envie de vous reposer la question d'une autre manière, parce que c'est vous qui posez les questions. Comment pensez-vous que nous sommes en train de préparer la contestation alors que nous voulons voir clair devant nous? Vous nous cachez les choses et vous nous dites que nous préparons la contestation? Non. Vous faites un fichier, un audit du fichier électoral avec des gens que vous avez vous choisis. Peut-être pas que vous êtes des amis à ces gens-là. Et vous voulez qu'on vous observe comme ça? Non. Mais si c'est la contestation. Si c'est la meilleure au pays. La meilleure? Oui, l'équipe qui a fait l'audit là. Si ce sont que des meilleurs, peut-être c'est la crème. Oui, mais c'est pas un problème, mais il faut nous prouver que c'est les meilleurs. Et souvent les meilleurs, on parle d'audit externe. Souvent les meilleurs, c'est des talents des références venus de l'extérieur. Parce que c'est une audit extérieure. Donc c'est toujours beau ceux qui viennent de l'extérieur. Quand on parle ceux qui viennent de l'étranger. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais quand on dit audit externe, c'est ça ce que ça veut dire. Des gens qui sont extérieurs au processus. Et il y a des organisations bien reconnues mondialement pour ça. C'est comme aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des organisations bien reconnues mondialement, par exemple pour la lutte contre, je dirais, la faim dans le monde. Le PAM, le PNUAR, le PNUD, tout ça, c'est des choses qui sont reconnues mondialement. Et il y a aussi des firmes ou des organisations reconnues mondialement pour attester de la qualité du fichier électoral d'un pays. Ça existe. C'est ces gens qu'on veut qu'on aille chercher. Pas des amis. On nous habitue aux des amis de matériel. C'est pareil. Vous vous réveillez un matin, vous choisissez des gens qui conviennent à vos goûts, et ces gens viennent, ils certifient des choses et vous imposez ça à tout le monde. Monsieur Patrick, on peut réfléchir ça un peu. Ces problèmes ici, c'est pas. Pourquoi n'avons-nous pas une démocratie propre à nous, nous qui sommes africains? C'est pas une copie de l'étranger qu'on n'arrive pas à adapter avec nos mœurs et coutumes. Avant d'aller chercher une démocratie propre à nous, cherchons à avoir créé nos propres stylos. Les stylos que vous avez là, je ne pense pas que les stylos aient été inventés par nous. Déjà là, même les vestes, tout ce que nous portons là, c'est l'étranger. Nous sommes incapables de rien. Alors, nous devons commencer à nous questionner d'abord nous-mêmes. Qu'est-ce que sommes-nous capables de faire? Nous sommes capables du pire. Nous sommes capables de les tirer sur nos propres compatriotes. Vous ne verrez jamais une marche en France ou en Belgique où les policiers tirent à balles réelles sur les manifestants. Parce qu'ils se respectent.
Mais chérie, ce n'est pas le cas. Mais ici, on ne verra pas aussi en France hein, des opposants à, en train d'envoyer les jeunes à caillasser les policiers. Non, qui a envoyé les jeunes à caillasser les policiers? On avait vu la vidéo de Martin Fayoul. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Mais je sais que les opposants demandent à la jeunesse d'aller dans la rue pour manifester ses constitutionnels. Ça, leurs propres enfants. Ben, qui sont à l'étranger en train dans les grandes écoles et qui vont revenir pour diriger ces enfants-là qui se battent toujours. Moi, mes enfants. Qui inhalent les gaz et tout. Moi, mes enfants sont à Montréal. Je suis ici. Je ne veux pas les faire venir ici pour marcher contre Tshisekedi, contre Kabila, justement, contre qui. Mes enfants sont là parce que j'ai décidé qu'ils soient là. J'ai décidé de leur offrir une bonne vie, des conditions meilleures. C'est ma responsabilité. Mais le Congo, c'est notre responsabilité collective. C'est pour ça que je suis devant vous. Donc, je ne vais pas marcher demain avec mes enfants pour faire plaisir à qui que ce soit. Pas du tout. Mais s'ils sont à Kinshasa, ils marcheront. S'ils sont à Kinshasa, mais ils vont décider. S'ils sont mineurs, je ne vais pas les obliger à marcher. Parce que c'est déjà contre les libertés. C'est contre les lois qui protègent les enfants. Mais s'ils sont majeurs, ils vont décider eux-mêmes s'ils veulent aller dans la rue ou pas. Mais je ne vais pas les contraindre d'aller dans la rue pour faire plaisir à mes enfants. Il s'appelle Patrick Aluyindoula Isidi. D'être un autre Lumumba, à Patrick Aluyindoula, on doit choisir une deuxième lettre. Si vous pouvez encore choisir. Monsieur Aluyindoula, professeur d'université, notre grand homme de ce soir. Alors, il va déballer l'autre lettre. Nous allons connaître un peu de quoi il s'agit. La lettre S. S comme société, oui, le social. Monsieur Aluyindoula, comme tous les Congolais de partout, qui ont des smartphones, qui ont des télés, nous avons tous suivi le procès de ces jeunes kidnappeurs. Votre lecture du procès? Disons-le, je n'ai pas suivi complètement le procès, quelques brides là. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que ce ne soit pas autre chose qu'un autre théâtre. Malheureusement qu'il y a des victimes collatérales. Donc vous ne croyez pas à la justice de la République démocratique du Congo, je pense que je vais éclaircir. J'ai dit ceci. Ouais. J'ai toujours dit aux gens, depuis que je suis dans cette lutte politique pour le renouvellement de la classe politique, j'ai toujours dit que les opposants actuels et les pouvoirs actuels sont des acteurs d'un théâtre. Ce qu'ils ont toujours fait, c'est du théâtre. Ils s'interchangent de rôles par moment, mais en réalité, c'est des gens qui nous conduisent dans un théâtre. Et je suis presque convaincu que cette histoire de kidnapping, c'est encore du théâtre orchestré par la classe politique actuelle. Maintenant, il faut définir qui est cet acteur-là qui est derrière la scène. Qui tire les ficelles. Exactement. C'est la question. Qui est le metteur en scène. Exactement. Le réalisateur. Vous savez qu'il y en a, parce que j'ai suivi un des messieurs qui disait que nous sommes prêts à tout déballer. Si vous donnez encore 5 minutes, nous allons tout déballer. Mais il avait eu 2 journées, il n'a pas pu déballer. Pourquoi il demandait encore 5 minutes? Vous savez pourquoi? Oui. Je suis convaincu qu'on lui a dit non. Parce que tous les prisonniers sont dehors, vous savez ça. Ceux qui ont pris 57 millions sont dehors, ils sont promus. Ceux qui ont pris l'argent de la gratuité de l'enseignement sont dehors. Mais la justice, quand le dossier est vide, comment? Vous voulez dire que le dossier de 57 millions était vide? Quand il n'y a pas assez de preuves. Vous voulez dire aussi que les dossiers de la gratuité de l'enseignement étaient vides? Non, on sait savoir quand c'est vide et quand ce n'est pas. Quand un prisonnier sort et qui remercie le chef de l'État de l'avoir libéré. Vous pensez à quoi ça? Et même quand un opposant a été chassé du pays, contraint à l'exil et s'est fait rappeler au pays par le chef de l'État, là aussi, il remercie. Non, mais c'est des amis. Vous ne savez pas ça? C'est des copains. Katumbi, Tshisekedi et les autres, c'est des copains. Cette classe politique, c'est des copains. Ils se parlent, ils s'appellent. C'est nous, les jeunes, qui n'arrivons pas à nous parler entre nous. Mais c'est des copains. Ah, donc pour vous, on doit chasser tous ces copains-là. Sans exception. Et d'ailleurs, j'ai donné une date, 2033, dans 10 ans. Je me prépare progressivement pour que dans 10 ans, avec vous, si vous le voulez, que nous puissions changer les décors. Parce que si nous ne changeons pas les décors, eh bien, ils vont eux-mêmes produire leurs successeurs. Mais c'est la jeunesse qui est au pouvoir, monsieur Aluyindoula. La jeunesse a toujours dirigé ce pays. Mobutu avait 30 ans quand il a pris les rênes de ce pays, Kabila avait 29 ans. Mais c'est la jeunesse qui a été même au sommet de ce pays. Qu'est-ce que vous entendez par jeunesse? Je ne vous pose pas la question, c'est vous qui me posez la question. C'est par rapport à l'âge. D'abord, on définit une jeunesse par rapport à l'âge. D'abord, je suis d'accord, mais ce n'est pas tout. Parce que si la jeunesse ne se définissait qu'à travers l'âge,
nous serions aujourd'hui un pays développé. Parce que dans tous les autres pays, c'est les jeunes, entre guillemets. Mm-hmm. Mais chez nous, ça n'a jamais été le cas, le développement. Ça veut dire que nous avons autre chose qu'il faut ajouter à l'âge. Il faut ajouter à l'âge des valeurs. Mmh. C'est de là où je parle de la louyindologie qui est une idéologie chamane. Ouais. Mmh. Donc, c'est des valeurs. Mmh. Hein? Donc, l'âge seul ne suffit pas. Vous pouvez avoir un jeune de 20 ans, de 25 ans, mais c'est un grand voleur. Vous avez vu parmi les kidnappeurs, là, il y a certains qui ont dit qu'ils ont volé 550 motos. Mais oui, mais si vous prenez des voleurs, malgré que parce qu'ils sont jeunes, vous les mettez au pouvoir, ils vont piller, ils vont voler, ils vont détruire. Donc, absence des repères. Exactement. La jeunesse n'a pas de repères. N'a pas de repères. Pourquoi les pères de l'indépendance ne nous ont pas aidés? Oh, ben, ils ont fait leur part. Mais dans le monde actuel, nous aussi, nous avons une part à faire. Aujourd'hui, les repères pour les jeunes, c'est les gens que les musiciens choisissent. Les influenceurs. Oui, oui, oui. C'est les gens que les politiciens choisissent. Ils vont faire une liste de candidats et vous votez bateau. Sans même demander, vous dire pourquoi. Non, parce qu'ils vont me soutenir. Ils vont me soutenir avec quelles idées, avec quelles valeurs. Donc, mais c'est ça, le repère manque. Mais si ces jeunes-là ne viennent que pour des calicots pour tenir les banderoles et ils ne veulent pas s'assumer et prendre le pouvoir, alors non. Qu'est-ce que les vieux feront? Les jeunes ne peuvent pas s'assumer tout seuls. Ça prend du coaching. C'est pour ça que je suis là. Ah, raison pour laquelle vous êtes là? Ouais, je mobilise les jeunes. Pendant 10 ans, je vous le garantis, nous allons chasser tous ces mondes. Mais il y a une première étape, c'est l'Assemblée nationale, le mandat. Donnez-moi un mandat. Ah, les jeunes? Les jeunes ont un mandat, ils vont à l'Assemblée nationale, ils font des lois des 500, les professeurs des lois des 500 dollars, de la dot, mais il y en a aussi pour ne pas manger le chi, la viande canine. C'est ça, les jeunes aussi. C'est marrant, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils font au Parlement, les jeunes. C'est marrant, n'est-ce pas? Oui, c'est marrant. Justement parce que ce n'est pas l'échantillon qu'il faut. Je viens de vous dire ici, jeune tout court, c'est un tonneau vide. Il n'y a rien dedans. Il faut ajouter des valeurs. Et puis, pour changer les choses, il faut avoir une posture de celui qui va changer les choses. Mais quand on va à l'Assemblée nationale, parce qu'on veut acheter une maison, on veut se marier, on veut, je ne sais pas moi, envoyer les enfants à l'école, c'est déjà mal parti. C'est déjà mal parti. Il faut dire aux gens pourquoi vous allez à l'Assemblée nationale. Moi, je le dis toujours. Je vais parce qu'il faut changer ce système dans 10 ans. Il faut changer ce système dans 10 ans. Et j'ai dit 10 ans, avez-vous déjà vu un politicien venir au Congo vous dire que non, j'ai un projet pour 10 ans? Non, ils ne le font pas parce que tous, c'est des aventuriers. Même ceux qui arrivent jeunes, candidat président de la République, incognito. Donc même Fayoum est un aventurier. Si on vous suit. Il est jeune. Non, vous dites, bon, soit les jeunes, vous dites, vous voulez chasser cette classe-là. Toute la classe politique. Et Fayoum y compris. Bien entendu. En 2033, il ne passera pas. Il ne passera pas. Il est un peu jeune en ce qui concerne la politique. Non. Écoutez, je parle de classe politique. Mm-hmm. Fayoum a commencé depuis l'époque de la conférence nationale. Mm-hmm. C'est sa classe politique, celle qui est là aujourd'hui. Mm. Seulement, lui, il est hors du pouvoir. Nous battons pour qu'il récupère son pouvoir en 2023. S'il arrive à le récupérer, il a donc la possibilité de faire deux mandats comme le prévoit la Constitution, s'il le veut. Mm-hmm. Et deux mandats, c'est 10 ans. 2023, mm-hmm. 10 ans, 2033, il s'arrête là. S'il ose passer, nous, on est des résistants. Ah, vous êtes des résistants. Exactement. Alors, ces jeunes-là, vous avez suivi le procès des influenceurs, ces phénomènes-là. Où va la jeunesse congolaise? Où va la jeunesse congolaise? Non, où est la jeunesse congolaise? Où se trouve alors la jeunesse congolaise? Elle est perdue. Elle est perdue dans ses méandres politiques. Elle est perdue dans ses mouroirs qui est devenu notre pays. À cause des soi-disant leaders politiques. C'est comme ça que le problème est profond. Il faut réveiller ces jeunes d'abord et leur montrer qu'ils peuvent faire mieux que suivre des leaders politiques aveuglement. Que suivre les musiciens aveuglement. Moi, je suis à Lemba, j'habite à Lemba, je le dis en passant. Mm-hmm. Mais chaque fois quand il est 16h, 17h, moi je sors à l'extérieur, je jette un coup d'œil. Mais les bars sont remplis de jeunes. Oh, c'est notre culture. Non. Remplir les bars pour s'enivrer de boissons, c'est ça notre culture? Bah, s'il y a des embouteillages et après le travail, on prend un petit pot. Mais c'est, non, ça ne fait du mal à personne. Les jeunes, ils vont travailler. Les jeunes sont désœuvrés aujourd'hui. Près de 80% des jeunes sont au chômage. Certains ne sont même pas à l'école. Je parle de jeunes, parce que je le vois. Ils s'enivrent. Et ce sont les mêmes jeunes qui vont remplir les stades pour dire ils sont, je sais pas moi, Gaulois, Warriors, Gaulois, Warriors. C'est ces choses-là. Les jeunes sont perdus. Ils cambriolent même les autres parce que lui, il est Warrior, l'autre est... Mais oui, c'est ça. Les jeunes sont conduits sans repère. C'est comme ça que nous voulons donner
à cette jeunesse un repère. Parce que les hommes politiques qui sont là ne sont pas des repères. Hein, ils manquent des valeurs clés pour faire d'eux des repères. Quelles sont ces valeurs qu'ils doivent avoir? Le patriotisme, l'amour du Congo. Ça, c'est la première valeur. Deuxième valeur, c'est l'intégrité, la bonne moralité. D'ailleurs, presque tous, ils n'ont pas ça. Problème de morale. Oui. Et troisième valeur, c'est les compétences. Certains n'ont même pas étudié, d'autres n'ont jamais travaillé dans leur vie, mais ils vont nous diriger. Oui, donc trois valeurs, patriotisme, intégrité, compétence, c'est ça la luyendologie. Mais c'est la constitution qui dit quoi? Qui dit que n'étudiez pas, venez diriger, c'est ça? Non, c'est la constitution qui dit quoi? Que soyez, je ne sais pas moi, voleur du trésor public ou pilleur du trésor public? Non, c'est la constitution qui dit quoi? Qu'il faut aller flirter avec nos ennemis rwandais, c'est ça? Ah, mais c'est tout le monde qui flirte avec les Rwanda, avec Fayoulou, quand on est dans le réseau Soros, quand on est... En tout cas, il y a à boire et à manger, ce côté-là. Je n'aime pas trop parler d'individus, mais je n'ai pas entendu Fayoulou dire que Kagame était son partenaire fiable. Tu l'as déjà entendu dire ça, Fayoulou? C'était peut-être stratégique. Non, non, Fayoulou a dit ça. L'histoire de l'attirer. Non, il a dit ça. Si c'est qu'il a utilisé ce mot-là, peut-être c'était pour attirer son ennemi et mieux l'avoir. Il a eu aujourd'hui. Il l'a eu. Seule la fin justifie les moyens. Quelle fin? La fin, c'est sa fin de son mandat. C'est dans 3-4 mois. Kagame sera toujours là. Les amis rwandais et burundais qu'il a invités à l'EAC seront toujours là. La SADC ne viendra jamais. On sera toujours dans la même situation. Ah, donc vous voulez que la SADC ne puisse jamais venir? Non, elle viendra comment alors que les ennemis sont là? On a invité les Rwandais, les Ougandais, les Burundais. Voulez-vous que la SADC vienne? Elle ne viendra pas. C'est logique. Hein, ces gens de la SADC ne sont pas des clowns. Ils comprennent. Ils vous disent, chassez d'abord les gens que vous avez invités et nous, on va venir. Mais on est incapable de les chasser parce que nous avons signé du n'importe quoi. Nous avons signé des choses d'où nous ne pouvons pas nous retirer. Vous pensez que s'il y avait retrait de signature facile, on ne l'aurait pas fait? Ça a été fait à Genève, non? Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Parce que la signature nous sous-barre. À Genève, c'était un fait privé. Non, non, non. C'est parce qu'il y a des signatures pour lesquelles il n'y a pas de marche arrière. C'est comme celle de l'EAC. Il faut lire les textes de cette organisation. On ne sort pas parce qu'on se réveille un matin. Une sorte de pacte de sang. Pardon? Une sorte de pacte de sang. Ben, pas pacte de sang, mais c'est quand même troublant que nous soyons engagés dans cette histoire-là. C'est pour mieux équiper notre armée en sourdine, en coulisses. Est-ce que nous l'avons équipée? Revenir et leur faire la guerre. Est-ce que nous l'avons mieux équipée, notre armée? Mais on voit dans les réseaux sociaux des quel territoire avons-nous récupéré? Bounagana est toujours entre les mains du M23. L'état de siège a échoué, vous le savez. Toutes les stratégies militaires échouent parce que nous sommes en train de faire des stratégies militaires au vu et au su des ennemis, de nos ennemis. C'est ça le problème. Vous faites un état de siège, vous invitez les Ougandais en plein état de siège. Donc nous sommes habitués, quand je dis nous, c'est-à-dire collectivement, mais sinon je parle des dirigeants, ils sont habitués à faire une chose et son contraire. Mais l'alternative à l'état de siège, elle n'est pas... Non, il n'y a pas l'alternative à l'état de siège. Il y a l'alternative à la classe politique actuelle. C'est sur ça que nous devons réfléchir. Donc c'est la réponse à tout. Il faut d'abord changer la classe politique. Parce qu'ils sont tous pareils. Même pour respirer, il faut changer la classe politique. Ils sont tous pareils. Même pour qu'il y ait jour et, même si et jour après la nuit, il faut qu'on change d'abord la classe politique. Non, il faut qu'on réfléchisse sur ça. Parce que tout ce que nous allons faire, si ça doit tourner autour de cette classe politique, nous allons toujours tourner en rond. Même ceux qui attendent aujourd'hui dans l'opposition pour remplacer, ils sont tous pareils. Il y a parmi eux des voleurs, il y a parmi eux des je sais pas moi, des, vous le savez, il y a parmi eux des gens qui dont le procès attend. Mais ils veulent pas, mais ils attendent, ils attendent de remplacer. Donc il faut absolument réfléchir sur... Mais des voleurs, il y a parmi eux des voleurs. Mais bien sûr, vous le savez. Oui, il y a parmi eux qui ont sémé le maïs à Boukangalo, ils ont recruté des universités, mais qui sont aujourd'hui avec vous. Ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. Qui sont votre partenaire aussi fiable aujourd'hui. Non, ils ne sont pas nos partenaires fiables. Vous savez, je vais le dire, quand on doit lutter contre une dictature, disons-le comme ça, nous avons besoin des bras, pas des têtes, des bras. Ah. Oui, ces gens-là sont des bras. Ils ne sont pas des têtes. Donc vous utilisez les Matata Ponyo, les Moïse Katumbi. Pour la pression. Tous ces criminels économiques. Pour la pression. S'il advenait qu'il faut gouverner, bon, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui prends la décision. Si ça dépendait de moi pour gouverner, ils ne pourront pas être là. Parce que dans mon échelle de luyendologie, ils ont entre 0 sur 3 et 1 sur 3. Donc c'est des gens qui sont bons pour nous observer, pour nous accompagner dans la pression. Mais pas pour diriger. Après, ils seront bons pour la prison. Matata Ponyo sera bon pour la prison. On ne peut pas le dire maintenant, sinon ils vont lâcher la pression avec nous.
Il s'appelle Patrick Alouindoula. Nous demandons de prendre une autre lettre. Okay. La troisième, Patrick Alouindoula, qui est un professeur d'université à l'université de Kinshasa, au cadre à Délécidé. Et j'adore, j'ai aimé votre franc-parler. Merci. Alors, on évolue avec l'autre, le troisième, la troisième lettre. C. La lettre C, oui. Oui. C'est comme Congo, notre beau pays. C'est comme, oui, comme concept. Oui, la Louindologie. Oui, Louindologie. Louindologie. Oui. C'est quoi en fait, Louindologie? C'est mon nom. Oui, Louindologie. Mais que j'ai traduit en forme, sous forme d'idéologie. Alors, mon nom, pourquoi? Parce que c'est une très bonne chose et je veux que ça reste plus longtemps. Plutôt que de me construire un monument, comme on a fait avec mon Lumumba, je préfère que les gens parlent de la Louindologie. C'est quoi la Louindologie? Ouais. La Louindologie, c'est très simple. C'est juste une dynamique, une idéologie avec trois valeurs, pas beaucoup. Trois valeurs clés que nous estimons, nous, qui sont essentielles pour faire la part, la sélection des acteurs politiques. Notamment. Oui, surtout. Notamment. C'est pour ça que j'ai créé cette Louindologie. Parce que je vais vous dire en passant, les idées, mon parti politique a 13 valeurs. 13. 13 valeurs. Oui, oui. Je suis même moi-même incapable de les citer là. Ah, parce que c'est beaucoup. Elles sont trop nombreuses. Oui, oui. Parce que c'est des valeurs. Le but d'avoir les valeurs, c'est de les pratiquer, de les vivre, n'est-ce pas? Oui. Mais quand je ne peux pas m'en souvenir, c'est peut-être difficile de le vivre. Mmh. Et il y en a 3 parmi les 13 que j'ai extirpées, que j'ai essayé d'arranger pour rendre digeste et pour rendre percutant. Et c'est les 3 valeurs, c'est le patriotisme et l'amour inconditionnel du pays. Il faut aimer le pays pour le servir. Comme on aime sa femme, comme on aime sa mère. Le patriotisme. Le patriotisme. La deuxième valeur, c'est l'intégrité. Je viens de dire la bonne moralité. Hein? Ne soyons pas des tricheurs, des voleurs, des gens qui planifient la fraude. Tu vois, c'est déjà un manque d'intégrité. Des gens qui vous piquent les frais des rames sans explication. C'est des manques d'intégrité, tout ça là. Hein? C'est ça. Des gens qui vous disent qu'un prisonnier va être utile pour le pays avant même qu'il ne soit quitté. C'est un manque d'intégrité, ça. Tout ça, c'est des choses qui contredisent la volonté du changement. Et il y a aussi les compétences. Parce que les compétences traduisent des résultats. Il faut avoir une certaine formation pour expirer avant certains résultats. Moi, je suis médecin aujourd'hui. Ouais. Hein? Si je vous demande de prendre un tel comprimé, vous allez le prendre parce que vous savez que je suis médecin. Mm-hmm. Donc, il y a même l'effet placebo. Tant que vous le dites directement, il faut, ça fait les effets. Exactement, tu le comprends très bien. Donc, les gens doivent aller à l'école. Il ne faudra pas que les gens arrivent à la tête du pays, on se demande où est-ce qu'ils ont étudié. Ça, c'est des choses qui ne devraient pas marcher en plein 21e siècle. Il ne faudra pas que des gens arrivent au pouvoir et les autres disent il n'a jamais travaillé. Ce ne sont pas les intellectuels qui ont mis à genoux ce pays. À l'époque des Congolais, Mwambaye, des Ndinakouvu, ils n'avaient pas fait de grandes études, mais ils dirigeaient de grands empires. Ce sont des intellectuels choisis en dehors de la Louindologie. Comment ça? Ouais, parce que ceux qui nous dirigent, ben c'est comme en statistique, c'est toujours un échantillon, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ce n'est pas tout le monde qui dirige le Congo, c'est un échantillon. C'est l'élite, au fait. La crème? Non, pas la crème. Il y a des gens qui n'ont pas étudié qui sont à l'Assemblée nationale, vous savez. Donc, ce n'est pas la crème. C'est un échantillon que nous avons choisi. Probablement parce qu'ils nous ont donné des polos, des t-shirts. Les meilleurs d'entre nous? Non, on n'a pas choisi les meilleurs d'entre nous. Parce que moi, là, je vous ai dit, je suis professeur d'université, professeur de médecine. Mm-hmm. Je suis en même temps, je l'ai dit en passant, conseiller au ministère de la Santé au Québec. Mm-hmm. Mais j'ai 320$ de salaire depuis une année, je suis professeur. Mon fils qui a 14 ans, je l'ai dit en passant, il a commencé son emploi d'été. 14 ans, emploi d'été au Québec. Mm-hmm. Il m'a envoyé, je crois, 30$ avant-hier. Parce que là, ils sont premier salaire. C'est plus que 320$. Vous vous rendez compte? Donc, le mal est tellement profond. Je ne sais plus où est-ce que j'étais, donc c'est ça. Oui. Vous parliez des valeurs. Oui, donc l'Louindologie. C'est ça. La Louindologie, c'est ces 3 valeurs-là. Ouais. Ça nous permettra de choisir les bons et les mettre à la place qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, le peuple choisit les gens en fonction de leur discours, de la couleur de leur cravate, en fonction de leur tribu, appartenance ethnique, en fonction du nombre de langues nationales qu'ils parlent, en fonction de combien de musiciens ont chanté. Hein, c'est ça, ce sont les critères qui sont déjà biaisés à la base et qui nous conduisent à prendre des aventuriers et à les mettre comme nos dirigeants. Hein, donc, des aveugles qui nous conduisent. C'est pour cette raison que nous avons pris la décision, nous, malgré les gros diplômes de professeurs de médecine. Vous ne verrez pas beaucoup de professeurs de médecine faire ce que je fais avec vous là aujourd'hui. Ah oui, vous ne verrez pas. Les médecins ne parlent pas vraiment. Pardon? Vous êtes un des rares médecins qui parlent. Non. Un des rares professeurs de médecine. Parce que c'est deux choses différentes. Oui, professeur de médecine. Oui. Mmh. Un des rares professeurs de médecine qui s'engage dans la politique. Et qui s'interroge sur la gestion de ce pays.
La plupart, professeurs de médecine, mais non, mais ils ont un salaire. Ils sont dans les cabinets. Ils oublient, là, ils construisent leur maison. Ils construisent leur famille. Mais moi, je me dis, il faut construire le Congo. Et le Congo construira toutes les familles qui restent. Et dans ces critères, le meilleur, ça sera vous? Non, pas tout à fait. Je me suis autoproclamé, pas forcément, j'allais dire, je me suis autoproclamé leader de la jeunesse congolaise. Parce que j'ai remarqué que les postes étaient vacants. Je sais que ce n'est pas un poste conditionnel, mais il est vacant. Il n'y a pas une personne qui peut rassembler tous les jeunes. Les jeunes sont divisés en partis politiques. Ligue de jeunes 2. Ligue de jeunes 2. Et ils ont des boss choisis par leur leader politique pour les maintenir emprisonnés. C'est ça le problème. Et vous avez l'étoffe nécessaire. Je ne sais pas, mais vous allez le juger vous-même. Parce que je me suis dit, ben, s'il y a quelqu'un qui estime, qui veut vraiment faire ce travail mieux que moi, je vais me plier, je serai derrière lui. Mais jusque-là, j'attends à personne. Mais j'essaie quand même de me préparer à ces jeux-là, à cette posture-là. Mm-hmm. Je me suis arrangé pour vivre les valeurs que je défends. Mm-hmm. Le patriotisme, l'intégrité, les compétences. Je me suis arrangé pour être, pas un saint, mais un modèle quand même. Par exemple, vous ne me trouverez pas dans la tricherie, vous ne me trouverez pas dans les rétro-commissions. Dans la vente des syllabus. Vous savez, toute œuvre d'esprit peut être vendue. C'est comme un syllabus. Ça se vend partout. Moi, j'ai étudié au Canada, je vous ai dit. Donc, il y a des syllabus qui se vendent même là-bas aussi. Des livres parfois. C'est des œuvres d'esprit. Certains sont protégés par des droits d'auteur. Donc, c'est vendre un syllabus, ce n'est pas une médiocrité. Mais la question qu'il faut se poser, quelle est la démarche cachée derrière? Mm-hmm. Si on vend les syllabus parce qu'on veut que les cours se donnent de bonne manière et que mm-hmm. les étudiants qui n'ont pas accès à l'Internet aient accès à un matériel de travail, mais il faut le faire. Il faut le faire. Mais quand des gens viennent vous interdire de vendre les syllabus, en même temps, ils vous payent très mal. En même temps, ils n'équipent pas les étudiants des bibliothèques de renom. Mm-hmm. En même temps, les parents, les étudiants sont impayés. Et en fait, ils veulent détruire l'enseignement. Une sorte de génocide intellectuel. Exactement. Ils veulent détruire l'enseignement. Alors, vous avez une structure qui vous accompagne, à part les CID? Non. Les CID, c'est mon parti politique. Oui. Vous savez, les partis politiques, je l'ai toujours dit, certainement les gens m'ont posé la question, mais dans cet élan, pourquoi tu es dans les CID? Ça aurait été une façon de poser la question. Mais moi, j'ai posé la question pour savoir vos trois principes, vos trois valeurs. À l'ECID, ils en ont 13 au fait. Ben oui, les 3. Il n'y a pas moyen de l'enseigner là-bas. Il fallait une petite structure. Non. Ce sont les valeurs du parti. Et j'ai choisi ce qui me plaise et j'enseigne. Je n'en ferai aucune loi. Donc je peux enseigner 2, 3, 4, 5. On ne me paye pas pour ça de toute façon. C'est moi qui me réveille un matin. Je dis, ben, ces 13-là, j'aime bien les 3-là. C'est comme j'ai 5 enfants, 6 enfants. Je me dis, ben, aujourd'hui, je sors avec Jean-Marc. Demain, je vais partir avec Emmanuel. C'est ma liberté. Mmh. J'ai choisi les 3 et ça fonctionne très bien parce qu'avec les 3... ça englobe les 13. Ça n'englobe pas les 13, mais ça résume un peu la situation plus facilement. Parce que vous savez, quand les gens viennent vers vous avec des discours, des beaux discours, parfois vous avez du mal à croire si c'est des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. Mais si vous passez en revue les 3 valeurs rapidement, vous comprenez que c'est des mauvaises personnes. Comme on dit, ce qui sort de la bouche de l'homme, ce n'est pas l'homme, mais l'homme finit toujours par se dévoiler par son comportement. Pas seulement ce qui sort de la bouche de l'homme, même ce qui est écrit dans le texte des partis politiques. Ouais, parce que tous ces partis politiques, c'est des copier-coller. Ils ont pris des beaux textes. Même les idées, même les idées. Je parle bien de tous les partis politiques. Oui, parce que là-bas, s'il n'y a pas aussi des congrès, c'est toujours fallu le leader. On a fait un congrès à Kisangani. Mais on vote toujours pour lui. Pardon? C'est toujours lui qui doit revenir comme président. Mais en 2033, je serai candidat aussi. Il ne viendra pas. S'il n'y a pas d'autres candidats, parce qu'il y a des gens qui déjà ne sont pas ambitieux, vous n'allez pas interdire à M. Fayulu de se représenter. Mmh. Patrick Louindou, là, nous allons passer à une autre rubrique. C'est la photo. On l'appelle ici jugement dernier. Mmh. On vous montre une photo et vous allez juger cette personne-là. La régie, si elle peut nous donner cette photo. Monsieur Patrick Louindou, là, vous êtes professeur d'université à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa, faculté de médecine. Mm-hmm. Donc, vous donnez, c'est depuis combien de temps comme ça? Une année. Depuis une année à peu près. Ouais. Depuis une année que vous donnez cours. Mm-hmm. Et les étudiants congolais, le niveau? Bon, difficile de le dire parce que pour juger le niveau des étudiants congolais, il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont comme ressources pour pouvoir dire quel est leur niveau.
C'est comme aujourd'hui, on dit souvent, on va pas évaluer la capacité, je sais pas, d'un poisson par sa capacité à voler dans les airs. Donc, les étudiants congolais n'ont aucun équipement, les étudiants congolais n'ont pas de bourse, les étudiants congolais, certains, les parents n'ont pas de salaire, les étudiants congolais n'ont pas de transport adéquat, les étudiants congolais n'ont ils pas de... Ils ont trois académies aujourd'hui. Ouais, les étudiants congolais... Ils ont trois académies aujourd'hui. Ben, ils ne l'avaient pas hier. Et s'ils l'ont aujourd'hui, je ne sais pas s'ils en profitent tous. Donc, c'est pour dire quelque part que c'est difficile de pouvoir évaluer les étudiants congolais dans le contexte actuel. Oui, alors, on peut évaluer, on peut faire le bilan de cet homme-là. Mobutu. Le maréchal Mobutu, roi du Zaïre, Bukubwendu Wazabanga, tout ça. Si vous étiez donné de le juger, votre jugement dernier de ce qu'a été Joseph Mobutu. L'unité nationale, les forces armées zaïroises. Qui ont combattu où? Qui ont toujours été aidés par les gens Scram, les Bob Dénard. Oui, mais nous avions quand même une armée que les Rwandais ne pouvaient pas narguer. Nous avions une armée qui pouvait être expédiée dans des pays africains pour se remettre de l'ordre. Nous avions une armée nationale. Il n'y avait pas de tribalisme sous Mobutu comme tel, si on peut se le dire. Tout cela qui est Kolomoko, c'est comme ça que nous revenons, peut-être, comme disons Congo et Kolomoko, on l'a dit dans notre congrès, si nous revenons dans ce, nous voulons revenir pour ces moments-là, enfin, sur ce point-là, nous voulons revenir à l'époque de Mobutu où le Congo était. Donc, pour vous, Mobutu était un bon dirigeant pour ce pays? Diriger un pays, c'est beaucoup de facettes. Je juge l'aspect unité nationale. Mais je ne peux pas dire qu'il était un bon dirigeant parce que quel pays l'a légué à la suite? Il a légué un pays développé à Kabila. Seule la fin justifie les moyens. Non. Il a échoué au fait, alors. Ils ont tous échoué. Même Tshisekedi qui est là, tous ils ont échoué. Lumumba. Même Lumumba aussi. Parce que regardez, Lumumba s'est battu, mais c'est Lumumba qui nous a amené précocement à l'indépendance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et nous n'avions pas de cas. Vous osez dire ça à un héros de la République? Oui, mais c'est pas parce que. Au père de la nation, en fait. C'est un héros, je vous le concède, mais c'est pas un saint. Il y a des hauts et des bas, il y a des positifs et des négatifs. Nous sommes allés très vite à l'indépendance, sans avoir de cadre préparé. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Mais c'est parce que l'homme blanc ne voulait pas nous préparer. Non, mais vous aimez qu'on vous prépare. Préparez-vous vous-même d'abord. Pourquoi on doit toujours vouloir que les autres nous préparent? Nous devons d'abord nous-mêmes savoir nous préparer et dire que c'est le moment. C'est pour cette raison-là, moi, je vous dis que c'est dans 10 ans que nous allons chasser tous ces gens-là. Parce qu'il faut se préparer. Donc, si les gens disent que Mobutu est parti, ça va faire 30 ans, mais c'est toujours Mobutu qui règne, c'est toujours Mobutu qui dirige, parce que c'est le Mobutisme, c'est l'idéologie Mobutiste qui est toujours au pouvoir depuis. Oui, peut-être parce que ce sont les Mobutistes qui sont recrutés par tous ceux qui viennent après. Ils savent ce que les Mobutistes ont. Dans l'ombre, le Mobutu plane toujours. Oui, parce que justement, nous avons des Mobutistes autour de Tshisekedi aujourd'hui. Des Mobutistes qui lui apprennent aussi comment tricher. Parce qu'à l'époque de Mobutu, il y a eu des tricheurs. Le premier tricheur. Je l'ai dit de l'histoire de la République. Non, je ne l'ai pas dit. C'est Mobutu, en fait. Je ne sais pas. Voter rouge, voter vert. Mais peut-être que c'était. C'est de la triche. Non, c'était peut-être le niveau de la démocratie à cette époque-là. Ouais. Mais aujourd'hui, la démocratie est plurielle. Mais notre niveau aussi, c'est l'équipe d'audit qui doit venir d'ici. Non, non. Kabila a fait. 30 ans plus tard, on dira aussi que c'était le niveau de 2023. Non, au contraire, nous voulons que les choses se perfectionnent. Quand nous appelons des auditeurs extérieurs, venus des firmes bien reconnues, c'est parce que nous voulons. Des firmes qui travaillent pour le réseau Soros et tout. Non, je ne sais pas. Ça, les grands miniers. C'est des choses que je suis dans la télévision, comme vous, mais je n'en sais rien du tout. Oui, en tout cas, celui, c'est Patrick Louyindoula. Maintenant, on va passer à la toute dernière rubrique de cette émission. C'est l'instant télé. Je vais devoir me mettre debout. Vous pouvez zapper? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez en faisant cela? Que ressentez-vous? Ben, je sens des vibrations là-même. Oui, une petite anecdote. Oui. Des souvenirs par rapport à cette télé. Non, je l'avais cette télé moi aussi. Vous l'aviez chez vous? Je l'avais et donc ça montre d'où nous venons. D'où nous venons? Ouais. Au moins, la télévision a évolué. Oui. Aujourd'hui, on est passé de cette histoire à des écrans plats. Oui. Mais sur le plan humain, nous n'avons pas évolué. nous sommes toujours
à l'époque. Donc, comme on dit, pire encore. La nature ne vous enseigne-t-elle pas, mon dit. Maintenant, on va dire, la technologie ne vous enseigne-t-elle voilà, pas. Voilà, vous avez tout compris. Donc, tout nous compris. Devions aussi évoluer comme cette télé. Exactement, nous n'évoluons pas. Elle est partie de là et atterrit aujourd'hui. Sur le plan développement, je vais vous le dire, sur le plan développement, vous savez, en 1960, nous étions au même stade que le Canada. Aujourd'hui, nous sommes parmi les 5 ou 10 pays les plus pauvres du monde. Ouais, voilà. C'est parce que nous, on n'évolue pas. Pourquoi? Parce que nous avons au pouvoir des tricheurs, des voleurs. Donc, les Canadiens et la Corée du Sud ont fait ça. Oui, ouais, ils ont migré très facilement. Plus que ça, d'ailleurs. Oui. Il y a aujourd'hui des télévisions. Ils sont partis de cette télé oui, à cette télé. Exactement. Mais nous, nous sommes restés dans cette télé, toujours dans cette télé. Dans cette télé en tant qu'humain, ouais. Et si nous ne prenons pas garde, nous allons encore rester dans cette situation-là des années durant. Des années durant. Ouais, parce la que, solution, la solution alors. Je l'ai dit, le renouvellement total de cette classe politique, c'est elle notre problème, cette classe politique. Dans les prochaines élections, on ne vote pas pour tous ceux qui sont là. On ne vote pas les Fayoul, on ne vote pas les Tshisekedi, on ne vote pas les Katumbi, on vote les Patrick Lula et ses amis. Pas du tout, parce qu'aux prochaines élections, cette classe politique s'est arrangée pour que le Lula ne soit pas des candidats. Je n'ai pas 5 000 $. C'est eux qui ont 5 000 $. Ils sont là, ils pillent la caisse de l'État, ils ont 5 000 $. Moi, je les ai pas. Comment je vais être candidat président de la République? Ils ont créé des situations. Je ne peux pas non plus être un candidat indépendant. Parce qu'ils ont mis un seuil de représentativité, vous savez, non? Oui. C'est pour qu'on soit toujours à leur traîne. Non, non, c'est pas pour que nous puissions, pour qu'on puisse mettre fin à ces micro-partis politiques. C'est ce qu'ils vous disent. Aller vers des grandes formations politiques. C'est ce qu'ils vous disent. Comme en France, comme aux États-Unis. En 4 ans de Tshisekedi, vous n'avez pas entendu? Il y a à peu près 400 partis politiques qui ont été créés. Donc c'est ce qu'ils vous disent. Il faut autre chose, là. Monsieur Patrick Louyindou, là, vous avez été notre invité. Vos impressions par rapport à cette émission Place à de grands hommes. En tout cas, j'ai aimé, c'est tout le décor. J'ai beaucoup aimé l'accueil et puis vos questions qui m'ont permis de me faire connaître un peu du public. Parce que c'est ça le but aussi, hein, de me rendre visible. Parce que le peuple ne choisit pas forcément les meilleurs, mais les plus visibles. Ah oui, donc, comme celui qui ne communique pas n'existe pas. Exactement. Comme nous ne serons peut-être pas chantés par les musiciens, parce que c'est pas... Vous n'en avez pas l'argent? Non, pas l'argent, mais ça ne répond pas à nos valeurs, en fait. On ne va pas aller chez les musiciens pour être célèbre. On va être célèbre par ce que nous produisons. C'est notamment la Louyindologie. C'est notamment les 5 propositions de lois interdisciplinaires que j'amène à l'Assemblée nationale. Qui sont 3 lois sur la santé, les assurances, un peu comme ce que on parle de couverture santé universelle. Un peu comme ça, parce que ce n'est pas la même chose, en fait. Et puis, il y a une loi sur l'aide publique aux familles et une loi sur l'éducation, la formation technique pour les jeunes. C'est des choses que j'amène à l'Assemblée nationale au-delà d'être le leader de la jeunesse. Donc, vous ne serez pas là pour la dot et non. Le fait de manger la viande canine. Je ne suis pas contre que l'on puisse réglementer les secteurs, notamment de mariage et puis d'autres choses. Mais dans la vie, il y a ce qu'on appelle la notion de priorité. Aujourd'hui, nous avons d'autres problèmes plus importants que de savoir qu'est-ce qu'il faut donner pour aller prendre une femme. De savoir qu'est-ce qu'il faut manger si ce n'est pas un chien. C'est ça, ça montre la bassesse. Ça montre qu'il faut changer cette classe politique. Quand je dis classe politique, même ceux qui sont dans l'Assemblée nationale, il faut partir de cette classe politique. Il faut les balayer et je demande aux jeunes de nous faire confiance et de nous donner 10 ans. Oui, demande aux jeunes de lui faire confiance et de donner 10 ans. Je vous invite à vous rasseoir et à signer notre livre. Livre d'or, monsieur Patrick Louis. Là, je vais vous mettre. Si, je vais m'asseoir. Oui, vous pouvez même enlever votre micro, ça pose pas de problème. Vous avez votre stylo là. Il va écrire, il va marquer de son empreinte indélébile son passage ici dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la place des grands hommes, une émission où nous invitons que des cerveaux, que de l'élite. Ceux qui font partie de la vraie élite de ce pays, les têtes pensantes, les grands penseurs, les grands esprits ont leur place dans cette émission. Merci à lui, à Patrick Louyindou, qui est professeur à l'Université de Kinshasa, professeur de médecine, à la faculté de médecine. Merci à lui qui a été notre invité de ce soir. Et moi, je vous dis au revoir et je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Et je vous dis bonsoir et restez branchés sur les antennes de Le Phare Télévision, la référence de l'information. Bye.